Voilà, je viens de me faire un café. Alors, du coup, écoute, je viens de poster mes vidéos sur l'Autriche et je me suis dit que ce serait pas mal que je t'explique un petit peu certains détails, parce que du coup, dans les vidéos, j'ai pas le temps d'expliquer. Je suis obligé de couper certaines scènes et je suis obligé de faire un truc rapide pour justement que les gens ne s'ennuient pas à regarder la vidéo. Donc voilà. Donc, je vais te partager mon écran. Alors, attends, on va aller faire un truc comme ça. Hop, voilà, c'est parti. Donc là, on est à Vienne. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal au départ à faire ma petite phrase d'introduction. Voilà, j'ai un peu buggé. Donc je te laisse regarder. Me voilà arrivé à Vienne. Donc je vais commencer. C'est mon point de chute. Me voilà arrivé à Vienne. C'est mon point de chute pour. Voilà, je viens d'arriver à Vienne. C'est mon point de chute. C'est mon. Voilà, je viens d'arriver à Vienne, donc c'est mon point de chute pour 4 destinations en Autriche. C'est une grosse blague. Donc mon point de chute c'est ici, puisque l'avion m'a déposé là, et donc je vais faire 4. Donc mon premier. Donc là je vais m'apprêter à prendre le train pour faire 4. Oh là 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 là. Alors ma première étape a été Gmunden. Et j'ai eu un petit problème de carte mémoire, j'ai une séquence qui ne s'est pas enregistrée. J'étais en train de chercher un lac, donc je cherche partout, et une fois arrivé devant le lac, et ben la séquence ne s'est pas enregistrée. Donc je te passe rapidement, voilà, jusqu'à l'arrivée, je vais te montrer, voilà. Alors regarde. Bon, je marche depuis tout à l'heure, je sais pas où il faut aller. Alors là, il y a un passage. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Bon, on va essayer de voir. Bon, on va essayer de passer là. Ça se trouve, fallait bifurquer à un moment donné. Alors ça, c'est le message que j'ai mis sur le vlog 40. Et du coup, j'étais vraiment très embêté de ne pas avoir ce rush. Et du coup, j'ai trouvé un logiciel qui m'a réparé ce rush. Et donc, j'ai pu le récupérer. Mais la vidéo était déjà publiée. Donc, ben voilà, je te le montre en avant-première. Le rush perdu. Le lac, a priori, vu mon Google là, il serait en face de moi. Mais en face de moi, il n'y a rien. Alors attends, on va essayer de prendre. Parce que là, il y a un bout de lac, mais me dis pas que c'est ça quand même. Me dis pas que c'est le lac. Voilà le lac! Non, mais c'est une blague. Non, non, c'est pas le lac là, ça. C'est une étendue d'eau là. Bon, attends, on va essayer d'aller. Alors, on va voir. Alors lors de ma deuxième étape, donc qui est Trankerchen, il faut savoir que c'est un petit village où il y a vraiment très peu d'habitants, il y a une petite place, enfin c'est vraiment tout petit. Et d'un seul coup, en plein milieu, sur la place du village, je trouve un objet complètement incongru qui n'a rien à faire ici. Donc j'ai coupé la scène, mais là je te la montre, voilà, tu vas voir, c'est assez rigolo. Alors dans la série Les objets incongrus, voici le pèse-personne. Je ne sais pas pourquoi il y a un pèse-personne ici. Pour 20 centimes d'euros, eh ben, tu peux déprimer et te dire, ah, oh, j'ai trop bouffé ce matin. Je ne sais pas. C'est sympa. Bon, bref. Bon, allez. Alors là, je te remets une scène que je t'ai déjà mise dans le vlog 41. J'ai fait une grande balade pendant 3 heures et il avait plu la veille toute la nuit. Et donc, du coup, le sol était humide et je pensais qu'il y avait de l'eau par terre, mais en fait, c'était une plaque de verglas. Et donc, voilà, ce qui devait arriver arriva. Je te remonte la scène. Voilà, donc plus peur que de mal, heureusement. Donc, y a une autre scène aussi que je ne t'ai pas mis dans le vlog 41, c'est donc une visite de cimetière sur le chemin du retour. Voilà, je te montre. Alors là, il y a un petit cimetière sur le chemin du retour. On va aller voir. Ils sont tous en face. Elles ont vue sur la montagne. C'est incroyable. Le cimetière en face la montagne. Avec cette église là, regarde, avec le dôme là. Superbe. Voilà, c'est ce qui s'appelle reposer en paix. Alors après, j'arrive à Obertrom, donc qui est ma troisième étape. Du coup, ce qui est assez drôle, c'est ce que tu t'en es sûrement pas aperçu dans la vidéo, donc dans mon vlog 42. Quand j'arrive, il fait super jour. Donc je dis, je vais poser mes valises, je sors, et là, il fait presque nuit et gris. Donc voilà, alors je te montre la scène et je t'explique après pourquoi. Alors, c'est au numéro 16. Voilà, c'est là. Bon, je pose ma valise et on ressort.
Bon, ça y est, j'ai posé mes affaires. Donc maintenant, on va faire une petite visite. Oui, alors là, comme tu peux voir, il fait presque nuit. Donc en fait, pour la petite histoire, bah, voilà, je pose mes valises et je vais faire quelques courses au supermarché qui est juste à côté. Mais je m'aperçois qu'il est fermé alors qu'on est samedi, donc panique parce que je n'ai rien à manger. Donc j'envoie un message à ma propriétaire, je cherche sur internet. Ma propriétaire me dit: Ah, mais il y a un hôtel un peu plus loin qui vend des choses. Bon, ok. Je vois qu'à Hallstatt, du coup, il y a aussi un supermarché, mais il faut quand même y aller. Il y a une demi-heure de route. J'avais pas envie d'y aller parce qu'il fait presque nuit. Je préférais me réserver ma visite d'Hallstatt le lendemain. Donc, bah voilà, en fait, donc c'est cette scène-là que j'ai coupée, la scène où je recherche à manger. Bon, je suis obligé d'aller prendre le bus pour aller directement à Hallstatt parce que en fait on est samedi et ici tout est fermé le samedi, donc demain c'est dimanche, ça va être aussi fermé. Donc le souci c'est que bah, je n'ai rien pour manger. Voilà. J'ai absolument rien. J'ai un yaourt, voilà, pour passer 2 jours. Heureusement, là, il y a un hôtel là qui s'appelle Dormio Resort Obertron. Donc, j'ai pas l'habitude de faire de la pub, mais là, franchement, ils viennent de me sauver la vie parce que figure-toi que dans cet hôtel, il y a une supérette. J'avais jamais vu ça de ma vie encore. Donc, voilà, donc j'ai pu faire des courses. Alors, c'est pas donné, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, au moins, j'ai des trucs pour manger pour 2 jours. Cool! Voilà! Bon, une bonne chose de faite. Alors, il faut savoir que pendant les grandes balades comme ça, où je marche pendant des heures, ben, je filme quand même pour montrer un peu du paysage, mais des fois je garde la caméra allumée et puis je parle, quoi, je raconte des conneries, enfin, il y a beaucoup de choses que je coupe, hein. Donc, j'étais en train de te raconter une grosse connerie, mais pendant que je te parle, il est arrivé un truc incroyable, enfin, pour moi, tu vas trouver ça ridicule, mais moi, j'ai adoré, quoi, j'ai trouvé cet instant trop mignon. Donc, je te montre, voilà, c'est assez drôle. C'est marrant, je sais pas si tu vois, mais là, ici, il y a 2 rainures. Je pense que c'est fait pour les skis de fond. Donc c'est une machine qui doit les préparer pour que les gens fassent du ski de fond. Enfin, ou alors peut-être que je dis n'importe quoi. Oh! T'as vu? Il y a un chevreuil qui est passé. Putain, je sais pas si je l'ai filmé, quoi. Truc de dingue! Ouais, alors ce chevreuil c'est excellent quoi. En plus après je l'ai même cherché, enfin bon, bref. Donc je te remontre au ralenti quand même. Voilà, là on le voit bien, tu vois. C'est incroyable quoi. Comme ça, hop, ni vu ni connu, il passe devant moi. J'étais trop content de le filmer quoi, c'était génial. Bon ben voilà, donc du coup après bah, sur le retour je me suis dit, oh, il y aura peut-être encore des chevreuils. Donc du coup tout le voyage de retour. J'ai filmé tout le voyage en cas où il y aurait un chevreuil et donc je t'ai gardé un petit bout, regarde, ça te donne ça. Bon, à supprimer, c'est juste en cas où il y a des chevreuils qui passent. Alors après, dans mon vlog 43, je t'ai montré Five Finger et il m'est arrivé un petit souci encore de caméra, décidément. Donc je te montre l'arrivée et je t'explique après. J'avance un peu, voilà, toute la montée. J'ai eu du mal à la trouver d'ailleurs. Ah, ça y est, c'est là-bas, regarde. Cool. Non mais déjà ici c'est un truc de malade, la vue de ouf, regarde. Donc j'arrive en haut, je suis trop content, en plus il n'y a personne, c'est trop cool, et je m'aperçois que ma caméra est en train d'enregistrer en couleur naturelle. Alors pour t'expliquer ce que c'est que moi j'enregistre en mode flat, donc sur l'Osmo Pocket c'est le mode ciné-like. C'est un mode qui enregistre les couleurs en neutre, c'est-à-dire les couleurs vraiment les plus neutres possibles. Comme ça, je peux faire moi mes propres retouches. Alors, pour que tu comprennes bien, je vais te remontrer la même séquence qu'on vient de voir. À gauche, je vais te montrer du coup mes retouches colorimétriques que je rajoute et sans les retouches, donc le mode neutre comme je filme. Donc, je te montre. Voilà, à gauche, il y a la colorimétrie qui est rajoutée et à droite, en mode flat, donc c'est le mode ciné-like. Voilà, donc c'est les couleurs qui sont vraiment plus neutres, tu vois. Et donc, bah, je vais te montrer la scène qui a été enregistrée avec les vraies couleurs d'origine. Tu vas voir, c'est super flashy. Alors, ça y est, on est arrivé. Donc, je vais enlever mes chaussures. Faut mettre les patins. Non, mais faut enlever ses chaussures, je pense, hein. Alors, dans mon vlog 44, je t'ai montré le magnifique village d'Hallstatt. Et il y a des scènes que j'ai coupées, notamment celle-ci qui est encore un cimetière. Donc, voilà, donc je te montre. Ça glisse de ouf. Merde. Alors là, d'ailleurs, il y a un petit palier là, on va aller voir. D'accord.
En fait, c'est encore un cimetière, décidément. Le cimetière me poursuit. Ou je poursuis le cimetière. Bon, de toute façon, toute sa vie, on poursuit le cimetière, mais bon. Ça, c'est un autre sujet. D'accord. Salut. Salut, salut. Personne vient vous voir, alors moi je viens vous voir. Les touristes, ils viennent pas vous voir, ben voilà. Moi je viens vous faire un petit coucou. Bon, ben c'est sympa. Vous avez une belle vue là. Bon, on va essayer de monter l'escalier et on va voir. Alors comme t'as vu, oui, ça glisse beaucoup et j'avais quand même fait une chute 2 jours avant, donc je faisais attention. Mais bah, ça m'a pas empêché de retomber une seconde fois ici. Donc je te montre du coup cette chute. Alors je l'ai pas mise non plus, mais voilà, elle est assez drôle, donc je te la montre. Non mais regarde comment ça glisse quoi. Putain, faut vraiment vouloir y aller. Hein. Oh la vache. Putain de sa mère! Ah. Ah putain! Ah putain, je viens de me casser la gueule! Eh oui, c'est vert glacé là! Je fais pas attention, je veux pas tout regarder, hein. L'eau. En haut, en bas, sur le côté. Alors après, je suis allé à Gozo, je sais pas comment on dit, pour aller voir des lacs. Et c'était vraiment des magnifiques. Et donc, je trouve le premier lac, comme tu as pu le voir sur le vlog 45. Et du coup, à côté du lac, il y avait un endroit qui était très très beau, avec la neige vraiment intacte. C'était magnifique. Et je me suis dit, il faut que j'aille faire un plan de là-bas. Enfin, c'est faire des photos, c'est très 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 beau. Donc, j'ai essayé d'y aller et tu vas voir, c'est assez drôle. Donc là, j'avance. Voilà, c'est tout mon chemin pour aller arriver au lac. C'est magnifique là. Je serais bien allé, mais le problème c'est que c'est de la neige super molle. Et je vais m'enfoncer dedans quoi. C'est magnifique. Bon, je vais essayer de. Je vais essayer de marcher dedans, mais je pense que je vais pas y arriver. Hein. Bon, je m'enfonce pas mal. Mais j'ai réussi à marcher. Je pense que je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais au moins. Oh putain, je viens de m'enfoncer. Bon, je crois que c'est... Oh putain. Bon, écoute, c'est pas possible. C'est pas possible, donc... Oula. Bon, je retourne. Alors, faut savoir que j'ai quand même, pour trouver tous ces lacs, j'ai quand même marché près de 3 heures, je suis crevé, et j'ai vraiment envie de voir ces lacs, parce que j'ai tellement préparé ce voyage, j'ai tellement vu des photos, je veux voir ce lac, quoi, vraiment, je t'explique bien ça, parce qu'il faut que tu comprennes que quand j'arrive, du coup, devant ce deuxième lac, et que je m'aperçois qu'il n'est pas du tout comme sur les photos, et que j'ai fait tout ça pour juste voir, en fait, une étendue blanche, parce que je me rends compte qu'il est gelé, et qu'il y a de la neige dessus, et qu'au final, c'est juste... Un champ blanc que je découvre, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Ben, alors je suis partagé entre la déception et en même temps d'être content parce que je l'ai vu, mais en même temps je suis énervé parce que je suis dégoûté qu'il soit pas beau. Donc du coup, ça fait un mélange un peu particulier. Donc je te montre du coup la scène en entier avec, de l'arrivée devant ce lac avec les éléments coupés. Donc là il y a un petit chemin. Je pense qu'on va pouvoir voir quelque chose. Alors, est-ce que c'est le lac? Voilà le lac! Super! Donc, le lac est gelé. Il est tout blanc. Mais bon, au moins, on est arrivé au lac, quoi. Quel dommage! Bon, c'est beau, hein, n'empêche, c'est magnifique. C'est magnifique, mais tout est blanc. Je pense que bleu, ça doit être sublime encore. Il est complètement gelé. Bon, je te propose qu'on fasse un petit tour là-bas, là. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est un lac gelé. Hein. Bon, écoute, au moins, on l'aura fait. Je suis content. On y est. Cool. En tout cas, les montagnes autour, c'est très, très beau. Allez, on va faire un petit tour. On va voir. C'est trop mignon avec des petits chalets au fond. Et là, on a une vue sur le lac imprenable. Enfin, sur l'étendue blanche. Mais j'imagine quoi, avec l'eau, ça doit être sublime. Ou même de la glace, mais bon, je m'attendais pas à du blanc. Bon, écoute, c'est quand même très très beau, je vais arrêter de râler.
Voilà, ce serait pas mal si j'arrêtais de râler. Mais bon, voilà, c'est rageant parce que ça pourrait être encore plus beau. Bon. Et puis bah, pour mon dernier vlog, donc c'était le vlog 46, c'était Salzbourg. Alors Salzbourg, ça a été compliqué parce que c'est une très belle ville. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins beau forcément que la nature et les lacs que j'ai vus. Et en plus, il a plu la majeure partie de mon séjour. Donc j'ai quand même vu des choses superbes, mais il faisait gris et il pleuvait. Donc là, je t'avance, voilà, et j'arrive en haut du couvent des Capucins. J'ai trouvé un autre chemin pour descendre qui est super sympa avec la vue du coup sur la ville. Ouais, c'est super. Avec le clocher là, c'est très très beau. En effet, cet endroit est très très beau. Et donc j'ai visité, figure-toi, cette église. Donc je ne t'ai pas mis la scène, je l'ai coupée au montage, mais bon, regarde du coup ce que ça donne. On va essayer de rentrer. Très très belle. Hein. Très très belle. Alors, il y a une autre scène que je t'ai coupée. J'arrive à un moment donné sur une place et je vois des gens au fond qui vont à un endroit. J'ai dit, tiens, bah, je vais les suivre. Et donc, on arrive. Bah, je te montre la scène et je t'explique après. Je sais pas trop où on va. Alors, tout le monde va là-bas. On va essayer de suivre les gens. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je vois qu'il y a un jardin. Ouais, c'est un jardin. On voit la forteresse là-haut, avec des tombes encore une fois, décidément. Ça va être le jardin d'une église, donc de cette église-là. À moins que ce jardin appartienne à cette église-là. La toute petite là, c'est marrant. C'est très charmant, il y a une bougie là. Voilà, donc je vais terminer ce petit montage sur un bug, sur le nom du gâteau que je devais goûter là-bas. Je te montre la scène, c'est plutôt drôle. Alors, il faut absolument qu'on goûte à la Chachertorte, pardon. Donc il faut. Alors apparemment, il faut qu'on goûte absolument à la Chachertorte. Chachertorte, oh là là, putain, ça me saoule. Ah, c'est chiant. Alors, faut absolument qu'on goûte à la Chachertorte. Oh putain, à la Chachertorte. Chachertorte. Alors, faut qu'on goûte absolument à la Chachertorte. C'est un gâteau aux épices garni de marmelade et enrobé de chocolat noir. Voilà, et c'est très très bon d'ailleurs, la Chachertorte. Je te conseille de la goûter. Voilà, bah écoute, j'ai fini ma petite séquence. Je me suis dit que c'était sympa de te montrer mon voyage un peu différemment et de t'expliquer justement tous ces détails et te montrer les scènes coupées. Parce que c'est vrai que je coupe beaucoup au montage et il y a des petites scénettes. Je me suis dit, bah pourquoi pas les montrer et les réunir dans un seul et même vlog. Voilà. Donc, bah, au prochain voyage, j'espère faire ça pour les voyages suivants. Voilà, allez, à plus.